ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو كوريجي ديال واحد لو سيستيم، وهذا لو سيستيم إل با يعني شامل لي تو لو بروغرام ديال توت لاني. دونك فيه لا شين دينيرجي، لا شين دانفورماسيون اي لاناليز فونكسيونيل. Donc le système, on l'appelle un distributeur automatique de type. Il est composé de deux postes, un poste de chargement et un poste qu'on va faire le triage. On l'appelle un dispositif automatique. Automatique parce qu'il va fonctionner à l'aide des capteurs. Donc pour le poste de chargement. Donc le poste de chargement, on a l'arrivée des types. Les types, ils vont être stockés ici fait le bac de chargement. Donc le bac de chargement, la tige, il est fait واحد la tige ديال vérin. Donc on va soit le mettre en haut, soit le mettre en bas. Donc il y a l'arrivée des types, on l'appelle l'unité de débitage. Il fait le débit des types. Donc il est composé aussi d'un manipulateur. Un manipulateur, son rôle, il va prendre les types, il va les mettre ici. Et le transfert ou bien le transport des types, mais le poste ADA, le poste ADA. Donc le manipulateur, il peut faire une translation suivant le sens ADA et une translation suivant l'axe ADA. Donc pour le dispositif automatique, donc il est composé d'une bande transporteuse, donc qui chauffe les tubes. Les tubes ont différentes tailles, soit petite, soit grande, soit moyenne. Donc il chauffe le sens ADA, la bande transporteuse, il va transporter les tubes. Donc il est fixé à le palier. وهذا il est composé et fait واحد le capteur trop plein. Donc lorsque هذا الكابتور هذا il est touché, ça veut dire ان هذا il est plein, pas la peine d'ajouter d'autres types. Donc هنا عندنا un capteur de taille. Donc هذا le capteur il va capter soit tube petit, soit tube moyen, soit tube grand. Donc l'épaisseur, le diamètre d'IELO. On a un verre, hein, la tige d'IELO. Il va soit mettre fait le niveau à niveau 1, N1, soit niveau 2, soit niveau 3. Donc le capteur, il va capter un tube moyen. Donc celui de le verre, il va se mettre fait le niveau de le moyen, yani N3. Donc il va revenir la position N1. Donc la tube il va être acheminé ici, c'est qui j'ai fait l'encoche, yani le vide de le plateau. Après, il va, le plateau, il va tourner jusqu'à arriver à ce niveau-là. Donc, la tube, il va se mettre fait la position. Il y a un tube grand, il y a un tube grand. Donc, la tige, il va se mettre au milieu. Donc, il va tourner jusqu'à arriver à le niveau 1-2. Il va être stocké ici. Il a un type petit, petit diamètre. La tige, il va se mettre fait le niveau N1. Donc le plateau, il va tourner jusqu'à arriver fait le niveau 1. Donc il va être stocké ici. Donc c'est le triage, trier. Donc voilà le fonctionnement du système. Donc, les constituants du système, il y a un poste de chargement composé d'un bac de chargement. Voilà. Recevant les types de, puis l'unité de débitage, il y en a qui joue les types.
et d'un manipulateur qui les transfère jusqu'à dispositif automatisé. Donc d'abord le manipulateur, il va prendre les tubes de il va les mettre ici. Donc deuxièmement, on a un dispositif automatisé servant à transférer et trier les tubes. Donc transférer, il y a une qui me de la bande et trier. Il y a le petit qui le grand ou la moyenne. Donc la bande transporteuse envoie les tubes un à un. Il y a wahed wahed selon leur type T1, T2, T3. Donc T1 qui est là, la canne petite T1, la canne grande T2, la canne moyenne T3. Respectivement aux convoyeurs C1, C2 et C3. Donc les convoyeurs C1, C2 et C3. Voilà. C'est un convoyeur. Lorsqu'elle va mettre ici, elle va être évacuée voilà, à un autre poste. Par l'intermédiaire d'un plateau à encoche à la cadence de fonctionnement demandée. Un plateau à encoche. Qui facilite la tube nafad le vide d'adada qui se met une encoche ou elle hasab la rotation il y a une rotation par exemple là la canne qui dort jusqu'à qui وصل هنايا ou bien qui dort qui وصل غير لهنايا ou là هنايا على حساب le على حساب عندنا le la taille ديال la tube le tube. Donc pour rendre service aux convoyeurs situés au niveau différent, niveau 1, niveau 2, niveau 3, le dispositif automatisé doit basculer autour de l'axe Z. Donc, il y a l'axe X, ou l'axe Y, ou l'axe Z. Donc, elle va basculer, ça veut dire tourner. Donc, un vérin de basculement piloté par un système de reconnaissance du type de type. Donc, il y a le vérin de basculement. Donc, suivant le niveau. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, suivant la taille le tube à trier ou bien à transporter. Donc, après avoir présenté le fonctionnement du système, on va commencer par la question numéro 1. Quel est l'objectif d'un tel système automatisé? Donc, à quoi sert le système? Donc, cela. Pour répondre à cette question-là, le fonctionnement du système. Il y a la présentation du système qui est lancé. Donc, d'après ce qu'on a dit, l'objectif d'un tel système, il y a la fonction dialogue, il y a transporter ou bien transférer et trier les tubes. Ou la façon de traitement de triage qui se fait d'une manière automatique. Et sans l'intervention le technicien. Donc transporter et trier automatiquement des tubes de dimensions variées. Il y en a trois dimensions des tubes. Petite, grande et moyenne. La question numéro 2. Donc il y en a la bêta corne. Donc, d'après la représentation du support, complétez le diagramme bêta-corne relatif au système d'étude. Donc, premièrement, il y a le nom du système. Donc, le nom du système déjà cité, dénoncé. Il y a distributeur automatique de tube. Donc, sur quoi agit-il? Il va agir sur le tube, bien sûr. On peut ajouter type de dimension variée. À qui rend-il service? Donc, soit à l'entreprise ou bien au technicien. Donc, la fonction dialogue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de transférer ou bien transporter et trier des tubes. Donc, transporter et trier automatiquement des tubes. Donc, pour la question numéro 3, en exploitant le document ressources 1, compléter l'axigramme du niveau A0 du système. Donc, le document ressources 1 fait les éléments donc mais les éléments on doit compléter يعني خصنا نستعملوا هادو ما خصناش نستعملوا شي وحدين اخرين من نجيبوهم من راس ديالنا ضروري نستعملوا داكشي اللي كيعطيونا حتى لا ما عطاوناش
عاد ديك الساعة كنعتمدو على شنو قرينا وشنو فهمنا من لو سيستيم. دونك هنايا هنا اللي ما عطيناش هو لو نو دو سيستيم، راه ديجا سيتي وديجا درناه في لا بيتا كور. دونك ديستريبيتور اوتوماتيك دو تيب. دونك هنايا لا فونكسيون برينسيبال من هادشي كامل. دونك لا فونكسيون برينسيبال هي ترانسفيري اي تريي لي تيب. دونك لا فونكسيون كتكون دائما افيرب ال انفينيتيف. دونك شنو عندنا في لونتري؟ سا فو دير لا ماتيير دو فونترونت. عندنا دونك دي تيب نونتريي، يعني اون دوا لي تريي. شنو عندنا في لا سورتي؟ دي تريب دي تيب سون كي سون تريي. دونك هنايا نبداو بلي لي دوني دو لي دوني دو ريغلاج دو كونفيغوراسيون. دونك تو دابور لي دوني دو خصنا لينيرجي. دونك هنايا لينيرجي داليمونطاسيون، لو سيستيم بور فونكسيوني لا بوزوان دو لينيرجي. عندنا لي دو ريغلاج، لي دوني دو ريغلاج اي لي زوردر دو كوموند، حتى هما خصنا نديرهم هنايا لي زوردر دو كوموند. سا فو دير مارش اري اكسيتيرا. لي دوني ديال ريغلاج ديال لو سيستيم. ابخي كيبقاونا لي دوني لي ماتيير دو سورتونت سكوندير. دونك هما هادو لي بقاونا. دونك هنايا لوردر يعني الترتيب ماشي مهم، يعني لي لا يعني اي وحده نديروها هنايا هنا ماشي مشكل. دونك هنايا نبداو بالبروي. دونك لو سيستيم الفا جينيري دي بروي و لي كونط روندي. لي كونط روندي هما لي زانفورماسيون كي دون لو سيستيم سوا لوتيليزاتور او بيان كي فون اتر ترانسمي ا لونيتي دو تريتمون. و عندنا لو سيستيم الا بيزوان ال فا بيردر دو لينيرجي. Donc plusieurs façons de perdre de l'énergie. La voilà. La question numéro 4, Adna, le diagramme FAST. Donc indiqué sur le diagramme FAST, les fonctions techniques et les solutions technologiques retenues pour le constructeur pour la commande des vérins de basculement. Donc Naya, la fonction principale est produire l'énergie. Le système pour fonctionner, il a besoin de l'énergie. Donc le système, la fonction elle est partagée en deux, mettre le piston en mouvement de translation alternative et entraîner la pompe. Donc mettre le piston en mouvement de translation. Donc Naya elle est partagée en FT1, FT1.2, FT1.3 et FT1.4. Donc pour FT2 elle est composée aussi de FT2.1 FT2.2. Donc FT1.1, donc on a pompe hydraulique 4. Donc à quoi sert la pompe hydraulique? C'est convertir l'énergie de rotation qui va être réussie par le moteur électrique en énergie hydraulique. Ça veut dire convertir l'énergie électrique, énergie mécanique, en énergie hydraulique. Donc on a distribué l'énergie hydraulique. Donc pour distribuer l'énergie hydraulique, on a besoin de quoi? D'un distributeur hydraulique. Donc FT1.3, convertir l'énergie hydraulique. Pour convertir l'énergie hydraulique, on a besoin de quoi? D'un vérin hydraulique. Donc pour protéger l'installation hydraulique, premièrement contre les fines particules, contre la surpression, acquérir contre la surpression. Donc contre les fines particules, on va utiliser un filtre. Contre surpression, on va utiliser donc contre la surpression, on va utiliser, c'est pas un distributeur hydraulique normal, on va utiliser un régulateur de pression hydraulique. C'est pas un distributeur, bien on va utiliser un régulateur de pression hydraulique. On a FT2.1, on a FT2.1, FT2.2. Donc on a acquérir la commande, on a acquérir. Donc acquérir, on a les éléments qui vont faire la acquérir, ça veut dire acquérir l'information. Donc on a acquérir l'information
la formation marche à Rekin, limite de course de pression. Donc, il y a une flashing d'information, acquérir l'information. Donc, pour acquérir la commande marche arrêt, on va utiliser des boutons marche arrêt. Pour acquérir les limites de la course des pressions du piston, on a le schéma d'Yana hydraulique. Donc, on a pour capter l'information, on a plusieurs capteurs. On a le premier capteur, un capteur de taille. On a un capteur trop plein. On a des capteurs de niveau. N1, N2 et N3. Donc, à demain, les capteurs, les NHTJO, fait le système DNA pour acquérir l'information. Donc, je n'ai qu'est-ce pour NIF, acquérir les limites de la course des pistons. Donc, on va écrire les capteurs N1, N2, N3. Donc, c'est les capteurs N1, N2, N3 qui vont acquérir les limites de la course du piston. Donc, on a maintenant les fonctions logiques câblées. Donc, il y a le rôle d'Yalom ou bien la fonction d'Yalom, il y a traiter l'information. Donc, il y a maintenant traiter l'information. Fashion d'information d'Yalom, il y a acquérir l'information, traiter l'information et communiquer l'information. Donc, il y a la question numéro 5, c'est compléter les blocs fonctionnels de ce mécanisme en indiquant la fonction assurée par chaque constituant. Donc, tout d'abord, on va voir le mécanisme, le schéma du mécanisme. Donc, notre mécanisme Wada. Donc, Adna, premièrement, c'est un moteur réducteur. Donc, Adna, le moteur réducteur. Le rôle d'Yalo, il va fournir l'énergie mécanique de rotation et en même temps, il va réduire la vitesse. Donc, moteur plus réducteur. On l'appelle moteur réducteur. Donc, voilà le moteur réducteur, comment il est réellement. Donc, après, on a la poulie motrice, il est accouplé à l'axe du moteur réducteur. On a la deuxième poulie réceptrice. On a la poulie motrice, poulie réceptrice. On a la courroie. Donc, il va transmettre le mouvement du poulie motrice, du poulie réceptrice. En même temps, il va réduire la vitesse. Donc, lorsque la poulie tourne, elle va tourner, ou l'axe il va tourner. Donc, lorsqu'il tourne, le plateau il tourne. Donc, pour lorsqu'il tourne, il y a deux cas de levier articulé. Donc, à destin VRM, il va soit sans sa tige, soit sortir, soit rentrer, soit il est au milieu. Donc, à destin VRM, donc le levier articulé, donc il va mettre le système, c'est. C'est un embrayage. Embrayage, en même temps, c'est un frein. Donc, là, les plateaux de l'embrayage, mais le plateau là, donc, il y a qui la transmission de la puissance, mais l'axe là. Le cas contraire, il y a le plateau là, mais le plateau là, le frein. Plateau frein, il y a un plateau embrayage là. وعندنا بلاطو فران هذا وهذا il va basculer هذا le هنايا لهنا ou bien être au milieu. Donc هنا لا كان au milieu soit il ne fait ni l'embrayage ni freiner mais il est au milieu. On l'appelle le point mort. Donc هنايا lorsque le vérin sort, donc هذا هذا le levier هذا il va tourner, هذا il va sortir, هذا il va tourner, يعني يوقع لو كان il va s'approcher de le plateau de l'embrayage. Donc, le cas embrayage. Ou bien, lorsqu'il va rentrer, il va se déplacer vers la droite. Donc, le plateau, il va se lier avec le plateau de frein. Donc, il ne va pas tourner.
Le cas contraire, donc, et quand il y a la tige de le piston, il y a la tige de le vérin, et quand au milieu, donc, il y a le point mort. Donc, ni embrayage, ni frein, mais il est le point mort. Il est isolé, les deux platons. Donc, il y a de l'énergie électrique est convertie par le moteur réducteur en énergie mécanique. Cette énergie est transmise à la bande transporteuse par l'intermédiaire de deux systèmes polycroix SAS2 moyen d'eau. Donc, il y a de la fonctionnellement permettant de transmettre le mouvement de rotation avec réduction de la fréquence de rotation et augmentation du couple. Elle va réduire la vitesse et augmenter le couple. Et quand la puissance est égale, le couple fois la vitesse. Donc, lorsqu'on va réduire la fréquence ou bien la vitesse, le couple va augmenter. Un embrayage frein, Hada l'embrayage ou Hada le frein. Donc, à commande hydraulique. Donc, la commande hydraulique, ça veut dire que le vérin, c'est un vérin hydraulique. Donc, c'est un vérin hydraulique. Donc, elle va commander un levier. Donc, un levier en deux, trois positions. Position vers l'embrayage, ou bien le frein, ou bien point milieu. Point milieu, quand c'est un point mort. Donc, qui permet soit transmettre temporairement la puissance du système S1, il y a qu'un le cas de l'embrayage. Vers le système S2, vers le système du système S1 vers le système S2. Donc, on a le système S1, on a le système S2. Donc, la canada il est accouplé, l'axe le plateau il tourne, va faire tourner l'axe, ou l'axe à son tour va tourner, faire tourner le polymotrice S2. Le polymotrice S2 elle est lié par l'intermédiaire de la courroie. Il va tourner. Ou bien soit freiner S2. Donc soit freiner S2. Et ni qu'est-ce qu'on S2 tourne, ou que j'ai le plateau frein, donc elle ne tourne pas. Donc à d'avoir le système, le mécanisme d'IANA. Donc j'ai la réponse. Donc à le moteur réducteur. Donc le moteur réducteur, donc Naya, son rôle, donc il va convertir. L'énergie électrique est convertie par le moteur réducteur en énergie mécanique. Donc, elle va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Avec réduction de la puissance, de la rotation du moteur. Donc, système pour les courroies S1, il y a déjà la réponse, permettant de transmettre le mouvement de rotation avec réduction de la fréquence de rotation et augmentation du couple. Donc, on va l'écrire ici. Transmettre le mouvement avec réduction de la fréquence de rotation et augmentation du couple. Donc, on a l'embrayage, il y a dit embrayage frein à commande hydraulique qui permet soit de transmettre temporairement la puissance des moteurs S1 vers S2, soit freiner. Donc, on a le cas embrayage frein, on a soit transmettre, donc faire le cas de l'embrayage. Il va transmettre temporairement la puissance du système S1 vers le système S2. C'est ça ce qu'on va écrire. Ou là, quand le cas dit le frein, nous allons dire freiner. Freiner S2 de tourner. Donc, après, il y a quand le cas de l'embrayage, à la puissance dit S1, elle va transmettre à S2. Donc, S2, je n'ai le rôle dit la Alors, S1 et S2 permet de transmettre la puissance de rotation avec réduction de la fréquence de rotation et augmentation du couple. Donc, à chilix, c'est bien, rien que c'est beau. Donc, à d'avoir le système DNA. Donc, à d'avoir moteur réducteur. Après, polycourroie. Donc, nous avons dit polycourroie qui voulait être soit embrayage, soit frein. La canne embrayage, la puissance, elle va être transmise au S2. Et la canne frein, à S2, lorsqu'elle tourne, elle va se freiner. Donc, à d'avoir l'état embrayé, l'état freiné. La question numéro 6, donc, elle a complété le schéma cinématique du mécanisme d'entraînement de la bande transporteuse. Donc, elle a d'avoir le système DNA. Donc, elle a le système polymotrice, elle a polyréceptrice. Donc, lorsqu'elle a dit tourne, donc, le plateau ADA doit tourner. Donc, elle a l'axe ADA par rapport à l'aide, le bâti ADA, quel mouvement il doit faire. Donc, elle doit juste tourner. Donc, lorsqu'elle tourne la polyréceptrice, le plateau ADA doit tourner.
دونك هاد لاكس هذا مع هاد لو باتي هذا خصو يكون عندنا الموفمون دو روتاسيون. دونك لاكس دو تورني بارابور لو باتي. دونك عندنا خصنا لا ليزون بيفو. دونك اون فا اتر اون فا ميتر لا ليزون لو سيمبول دو لا ليزون بيفو. دونك ابخي هاد لو بلاطو هذا تورن. دونك عندنا هاد لاكس هذا مع هاد لو بلاطو ديال الفران او بيان لومبرياج. دونك الا كان هذا الى تورن حتى لاكس دوا تورني. دونك هنايا كاين لا ليزون مع هذا مع لو بلاطو ديالو. دونك سيكون عندنا ان ليزون انكاسترومو. دونك لا ليزون انكاسترومو مع لو بلاطو مع لاكس الا كان هذا الى تورن حتى لاكس دوا تورني. ابري هاد لاكس هذا بارابور الباتي اوسي il doit faire un mouvement de rotation. دونك خصنا حنا نديرو هنايا لا ليزون بيفو. دونك هذا كونو سالينا لو شيما سينيماتيك. دونك نعاودو باش نفهمو مزيان. دونك هنا عندنا لا بولي ريسيبتريس lorsqu'il tourne هاد لاكس هذا doit tourner مع لي بلاطو ديالو حيت كاين لا ليزون اونكاستروم لاكس مع لي بلاطو. دونك هنا لو بلاطو il tourne الى قرب ليه هاد لاكس هاد لي بلاطو ديال لومبرياج. دونك حتى هو il doit tourner lorsqu'il tourne خصو يفير تورني هاد لاكس. دونك شمن ليزون بيناتهم خص كل ليزون كاسترومب. دونك هاد لاكس lorsqu'il tourne خصو دوا فير تورني هادي. دونك هنا هاد لاكس هذا بارابور لو باتي دوا فير اون روتاسيون. دونك هنايا لا ليزون بيفو خصنا نديرو ليزون بيفو. La question numéro 7, compléter le tableau de fonctionnement de l'embrayage fin en utilisant les croix. Donc, on a maintenant l'état des leviers articulés WADA. On a le plateau mobile WADA. On a le cas wash freinage ou bien poids mort ou bien embrayage. Donc, on a maintenant les cas des tiges des verres. On a sortie de la tige des vérins, yani le vérin il sort. Donc il a quand il sort, yani hada levier articulé, il va tourner vers la gauche. Donc il va tourner vers la gauche. Donc ça dire hnaya croix le cas de gauche. Donc il a quand hnaya chno hnaya sortie de la tige. Donc il va tourner vers la gauche, ماشي droit. Donc il a quand la tige du verre il sort, donc il va tourner vers la gauche. Donc il va tourner vers la gauche en dire à la main croix SG. Donc naya le plateau mobile, donc gauche et gifle le naya à gauche ou bien droite ou bien milieu. Donc il a qui te fait qui gifle la position gauche, donc c'est clair. Donc هنا الى كان فهاد لا بوزيسيون هادي واش بوزيسيون د لومبرياج لا بوزيسيون فرا ولا بوان مور. دونك بين لا بوزيسيون ديال لومبرياج. دونك الى كان لو فير ان دبليو ني با اليمونتي الى كان ني با اليمونتي يكون في لو ميليو. دونك لا بوزيسيون ديال لو في ارتيكولي ما هو غوش ما هو دروات مي كيبقى هنايا فيرتيكال. دونك هنايا كنديرو او ميليو. Pour le plateau mobile, il a un canada au milieu, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il n'est pas le cas de la gauche, n'est pas droit, mais il est au milieu. Donc, il a un au milieu, il y a un image qui est l'embrayage de la fin qui compte poids mort. Il y a un isolé, il a les deux plateaux. Il a la rentrée de la tige, mais qui est trop la tige. Donc, il va tourner vers la droite. Donc, le levier articulé, il va positionner la droite. Il a quand droit, c'est-à-dire qu'il compte la position droite, c'est-à-dire que le plateau il va s'approcher de l'œil, donc position droite. Ou il a quand position droite, c'est-à-dire qu'il a le contact avec le frein. Donc il a quand l'axe il tourne, mais qu'il est avec le frein, il va arrêter de tourner. Donc il y a le freinage. Donc il y a le fonctionnement de le système. Embrayage, frein. Donc la question numéro 8, détermine le temps nécessaire pour l'évacuation d'un tube. Donc on a le nuancé à Taouna, on a une heure
elle va être évacuée 1800 type. Donc elle dit 1800 type une heure. Donc là, on a un seul tube. Donc je vais dire le temps à ce niveau x. Donc on déroule la relation x fois 1800 elle va être divisée par l'unité de le temps fois un type. Donc on a une heure, il y a 6 minutes, il y a 3800 secondes. Donc x à quoi est égal? Il y a 3800 et là 1800. Donc à quoi est égal? X est égal à 2 secondes. Et chaque 2 secondes, il y a l'évacuation d'un seul tube. Donc la question numéro 9, il y a calculé la vitesse linéaire v tapé du tapé en mètres par seconde. Donc à le tapé ada, il va tourner. Donc la vitesse linéaire. Donc entre deux types, la distance binaire, il est constante, il y a 2 cm. Ou adna, pour chaque 2 secondes, il y a une tube qui va être évacuée. Yani la distance parcourue, il y a 2 cm, 2 secondes. Donc la vitesse, il y a, par définition, il y a d sur t. D, il y a la distance parcourue, il y a 2 cm. Ou le temps, il y a 2 secondes. Donc 12 cm par 2 secondes, il y a. Donc on va remplacer 2 cm par en mètre. Donc 10 à la puissance moins 2. Divisé par 2 secondes, donc comme résultat final, il y a 6 fois 2, 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. Donc, il y a la vitesse linéaire le tapis. La question numéro 10, il y a, en prenant la vitesse linéaire du tapis, V tapé, il y a 6, 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde, calculer la vitesse angulaire oméga tambour du tambour. Donc, avec le tambour qui tourne, donc le tapis fait un mouvement linéaire ou le tambour il fait un mouvement de rotation. Donc on a la relation entre le mouvement linéaire et la vitesse linéaire et la vitesse angulaire il y a est égal v tapis linéaire est égal w la vitesse angulaire fois r. Donc on va remplacer r par le diamètre R, il y a le tambour, il y a le diamètre et le rayon du tambour. Donc, on a le rayon, on a le diamètre. Donc, on va remplacer. On a la vitesse angulaire, il y a V tapé sur R. R, on va la remplacer par D sur 2. Après, on va remplacer par les applications numériques. Donc, comme résultat final, donc la vitesse angulaire est égale à 3,42 radians par seconde. Donc, dire la vitesse angulaire. Après, déduire sa fréquence de rotation NS2. Donc, NS2, il y a la vitesse de rotation du tambour. Donc, nous avons la relation entre la vitesse angulaire et NS2. Donc, NS2 est égal à la vitesse angulaire de tambour divisé par 2π. Donc on va remplacer par les oméga tambour par 3,42 radians par seconde et 2π déjà constante. Donc on va obtenir 0,54 tours par seconde. Après on va remplacer, on va convertir tours par seconde en tours par minute. Donc on va multiplier par 60. Donc, on va obtenir 32,7 tours par minute. Donc, la question numéro 11, calculer le diamètre petit ds2 du système polycorroïs S2. Donc, pour calculer, on chauffe le schéma du système. Donc, il y a le schéma chaîne cinématique d'énergie. Donc, on a la bande transporteuse. On a le type 1, le type 2, la distance pénètre de 2 cm, on a le tapis. Donc on a le tambour, on a le rendement est égal à 1, le diamètre de 35 cm. Donc on a le système on a polycorroïs S2, il y a polymotrice, polyréceptrice. Donc polymotrice, il y a
DS2 petite on le récepte très si y a grande DS2 donc on a maintenant la valeur on a atteint donc atteint le rendement de le système S2 il y a 95% ou on a 4 fois il y a 4 fois il y a le rapport de transmission donc on a le système polycouroie il va réduire la vitesse donc on a le rapport de transmission donc la vitesse de sortie là la vitesse d'entrée égale 0,35 cm. Ada anawa le polycouroie S1 fait le grand diamètre le grand diamètre et le la poly la grande poly DS grande DS1 ou là le diamètre il est donné il le deuxième poly petit DS1 ou adna le rendement 5 ouais maintenant on a le rapport de transmission ça veut dire la vitesse de sortie et la vitesse d'entrée ou bien diamètre d'entrée et la diamètre sortie ouais on a le système réducteur R donc on a le moteur réducteur donc on a le moteur il va fournir de l'énergie de la puissance PM la puissance PM il est composé d'un couple M et d'une vitesse NM donc la vitesse elle va être réduite donc on a le NR yani la sortie du réducteur le couple CR à la sortie le couple à la sortie du réducteur la puissance PR donc qui est fournie par le réducteur donc on a le rapport très très petit ou à 0,05 ou le rendement il y a 55%. Donc, on rejoint les questions d'Yana. Voilà le système d'Yana. Il y a l'embrayage. Il va être transmis le mouvement, sinon, il va. Il y a la poly. Poly. Courroie S2. Il tourne. On doit la freiner par le frein. Donc, il y a un frein. Voilà un embrayage. Donc, il y a la chaîne cinématique d'énergie. Donc, on rejoint les questions d'Yana. Donc, la question 11. Calculer le diamètre des petits DS1 du système polycouroie. Donc, nous les données les attendons. Donc, il y a le système de le rapport de transmission 4. Donc, 4 est égal le diamètre d'entrée, là, le diamètre de la sortie. Donc, le diamètre d'entrée déjà donné. Le diamètre, diamètre de la grande DS1 déjà donné. Ou adna 4 déjà donné. Donc, on a un DS2, le petit DS2. Donc, petit DS2 est égal à 4 fois DS, grand DS2. Donc, elle est déjà donnée, elle est déjà donnée. Donc, on va remplacer par leur valeur. Donc, 0,53 fois 82 mm. Donc, on va obtenir 43,46 mm. Donc, il y a la valeur d'elle. Le diamètre de la poly de sortie de rentrée pardon donc pour la question 12 on déduit la fréquence de rotation NS1 en sortie du poly courroie S1 donc on a la sortie d'IL S1 il y a la rentrée d'IL S2 donc on a toujours on va remplacer on va utiliser 4 donc 4 est égal à NS2 divisé par NS1 donc donc NS2 donc déjà ou NS1 il y a il est inversé donc NS1 est égal à NS2 divisé par K3 donc NS2 a déjà calculé K3 là, il y a 0,53 donc 32,7 divisé par 0,53 donc en résultat 61,7 tours par minute. Donc, à dire la vitesse, la sortie d'IL S1 ou la rentrée d'IL S2. La question 13, calculer le rapport de réduction K2 du système polycouroie. Donc, K2 est égal à quoi? Le diamètre d'entrée et le diamètre sortie. Donc, le diamètre d'entrée est donné, le diamètre sortie est donné. Donc, on va remplacer 34 divisé 64. Donc, K2 est égal à 0,53 à le rapport de transmission.
La question suivante, il y a en déduire la fréquence de rotation NR à la sortie du réducteur R. Donc, là, il y a la sortie du réducteur et il y a la rentrée du système S2. Donc, K2 à quoi est égal? Il y a la vitesse NS1 divisé par NR. Donc, NR, on va la sortir de la relation, égale à NS1 divisé par K2. Donc, NS1 déjà calculé. Au K2, il y a 0,53, donc on va remplacer. On va obtenir, il y a 116,4 tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de rotation à la sortie du réducteur. Pour la question 14, calculer la fréquence de rotation NM du moteur. Donc, là, il y a le K, le rapport de transmission des réducteurs. Il y a la vitesse de sortie à la sortie du réducteur. Là, la vitesse d'entrée du réducteur, il y a 900 Nm. Donc, la vitesse de sortie du moteur, il y a 900, la vitesse d'entrée du réducteur. Donc, est égal à Nr divisé par Nm. Là, c'est Nm. Donc, Nm, il y a Nr divisé par K1. Donc, on va remplacer chaque paramètre par sa valeur. Donc on va obtenir 116,4 divisé par 0,05 qui est le réducteur, rapport de transmission de réducteur. On va obtenir 2328 tours par minute. Donc, à dire la vitesse de rotation de le moteur. Donc, on a la question 15. On a le couple développé par le tambour du tapis et 105 newtons par mètre. Donc le couple de le tambour à ou à 105. On a calculé l'effort tangentiel F du rouleau sur le tapis. Donc l'effort tangentiel, yani la force. Donc une relation bien la puissance de rotation et la puissance de translation. Donc P est égal. Il y a le couple fois la vitesse angulaire est égal aussi. La force fois la vitesse la linéaire. Donc, on va remplacer V by H par R oméga. Donc, R oméga. Donc, on a remplacé V par R oméga. Après, RAD, on va simplifier par oméga. Après, RAD, donc, R, il y a D divisé par 2. Voilà, donc à quoi est égal la force? Il y a 2 fois le couple divisé par D. Donc on va, le couple déjà donné, il y a 105. D, il y a 35 cm. Donc on va remplacer. On va obtenir F est égal à 600, 6000 newtons. Donc il y a là l'effort tangentiel le tapis. La question 16, en prenant NS2.